Les incidents du Stade de France a bien du mal à retomber, Hélène. D'ailleurs, cet après-midi, Emmanuel Macron a réitéré son soutien à Gérald Darmanin et au préfet allemand. Et déjà, les regards se tournent vers le Stade de France pour le match de demain, France-Danemark. À la demande de la Première ministre Elisabeth Borne, une nouvelle réunion de sécurité se tenait tout à l'heure avec tous les acteurs concernés autour de la table. Gladys Laffitte, qu'est-ce qui a été décidé? Eh bien, dispositif assez renforcé déjà du côté du maintien de l'ordre. Jusqu'à environ 1000 policiers et gendarmes pourront être mobilisés. L'idée, c'est de montrer du bleu. Ce chiffre est équivalent à samedi dernier, alors que le match de demain n'a pas le même enjeu. Ce n'est pas une finale de Ligue des Champions. Seuls 1400 supporters danois sont attendus. Entre 50 et 80 sont considérés à risque, selon les projections des policiers de la capitale. On est donc loin des craintes de hooliganisme anticipé dans le cas des supporters de Liverpool. Demain, clairement, la philosophie sera un axe anti-délinquance fort, nous dit-on. Des dizaines de policiers de la BAC, la brigade anticriminalité en civil, mais aussi des agents des Braves, très mobiles, seront dépêchés dans le périmètre de sécurité et aux abords du métro et du RER. Leur mission, interpeller les pickpockets notamment. Voilà pour l'idée globale. Ce dispositif doit être ajusté. Une réunion se tient d'ailleurs en ce moment même au ministère de l'Intérieur avec la préfecture de police de Paris. Gladys Laffitte.